le Rabot 2. Alors, moi, c'est mon préféré. Et j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que le Rabot 2 sera disponible fin mai. Alors, le Rabot 2, on retrouve l'atmosphère de Colonel Bequest. C'est un jeu de détective un petit peu à la Agatha Christie. C'est fabuleux, avec les belles couleurs qu'ils ont choisies. Ça se passe dans les années 20. Et c'est un huis clos. Et là-dedans, le Rabot devra essayer de déjouer un meurtrier qui va commencer à tuer tout le monde, chacun à son tour. Et si le joueur est bon, il pourra essayer d'éviter à ce que ces meurtres se suivent. Une très belle qualité graphique, de très belles animations. Celle de Sierra, évidemment, qui a changé un peu cette technique d'animation, avec des prises de vue. C'est comme du cinéma maintenant. On filme des personnages, ensuite on les transpose à l'écran et on travaille dessus. C'est tout à fait exceptionnel.